sommes le lundi 1er avril et ce sont les deux cours que je devrais avoir. Si je ne vais pas les faire, donc aujourd'hui je devais faire cours de 15h à 16h avec la 4e A, salle 14, et de 16h à 17h avec la 4e B, salle 11. Donc tout est là. Et voici le calendrier et voici le nom, la liste des élèves, de mes élèves. Donc, comme je suis un professeur d'éducation artistique, j'ai cours avec toutes les classes, donc de la 6e à la 3e. Donc, ça veut dire que toutes les classes sont la 6e A, 6e B, 6e C, 6e D, 6e E, 5e A, 5e B, 5e C, 5e D, 4e A, 4e B, 4e C, 4e D, 3e A, 3e B, 3e C, et 3e D. Et c'est fini. Donc, ce sont la liste de mes élèves. Donc, vous aussi, si vous regardez là, si vous avez quatre classes, vous aurez la liste de ces quatre classes. Voilà. Donc, ça, c'est mon tableau de bord. Donc, quand vous vous connectez là, vous allez voir, si vous cliquez sur panel enseignant, c'est ce que vous allez voir. Maintenant, vous venez ici, vous cliquez à gauche sur l'emploi du temps. Parce que ça, c'est le menu. Ici, à gauche, c'est le menu où il y a les, par exemple, des titres, des sections qui vont, à chaque fois, quand vous cliquez quelque part, tout dépend de, par exemple, de la section que vous, où vous cliquez. Par exemple, dans le bord, ça affiche tout ça. Quand je clique emploi du temps, ça affiche autre chose. Maintenant, pour cacher par exemple cette colonne, il faut cliquer là. Ouais. Donc vous allez voir, parce que si vous n'avez pas beaucoup d'espace, si vous naviguez avec votre téléphone portable, je vous conseille de cliquer là pour avoir plus de place. Mais si c'est un ordinateur, donc c'est pas la peine. Donc si je clique ici, j'ai toujours tableau de bord, emploi du temps, cours du mois, évaluation, gestion moyenne, etc. Et maintenant, si je clique ici, ça fait comme ça aussi. Voilà. Donc, si nous continuons, donc, emploi du temps. Quand je clique, donc, ça, une nouvelle page s'ouvre et voici mon emploi du temps pour toute la semaine. Donc, lundi, je vois étoile 9, c'était 4e A et 4e B. Donc, je le vois sur mon tableau de bord. Vous voyez, il n'y a que ces deux cours qui s'affichent. Donc, dans mon emploi du temps, c'est normal de trouver ces deux classes. Mardi, voici les cours. Mercredi aussi. Jeudi, voici l'ensemble de ces cours. Vendredi et samedi. Donc c'est mon emploi du temps qui est là. Voilà. Donc ça c'est pour l'emploi du temps. Il ne suffit que de cliquer là et de voir vos cours. Vous cliquez sur le tableau de bord. Hein, et maintenant je veux connaître mes cours. Voir, je fais comme ça, je clique et je vois. Voilà.